Bonjour à tous et bienvenue sur WebTips. Cette vidéo est une suite de la vidéo passée, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous laisserai un lien sur l'écran. Là, il faut savoir aussi que je suis en local, je travaille en local. Vous voyez ici sur l'URL, localhost, d'accord? Là, on est en localhost, ce qui veut dire que je travaille tout simplement en local en fait, sur mon serveur local, d'accord? Et mon domaine, il faut savoir que mon domaine, c'est projet-6, produit 1, d'accord? Projet, produit 1. C'est parti les amis, donc la fois passée, durant la vidéo passée, on est arrivé sur cette partie qui est les différentes structures que peut prendre un permanéen. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a ici des différentes structures. On a la simple, date et titre, mois et titre, on a la numérique, on a la forme titre de la publication et la structure personnalisée. Par exemple, si ça vous intéresse d'avoir une structure, la structure la plus simple, enfin c'est pas vraiment recommandé sur la question du SEO, Search Engine Optimization. La forme simple n'est pas vraiment recommandée pour ça, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça fait en fait. Donc je choisis la simple, j'enregistre les modifications. Ça, en fait, c'est pour changer les permaliens d'un article, d'accord? Ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'ID de l'article. On voit ici mon domaine dans le permalien. Vous allez voir mon domaine, puis l'ID de l'article. P, c'est pour poste, en fait. P, c'est pour poste. Donc là, on va sur notre article pour vous montrer la modification. Allez-y, tac, article récent. Et ben voilà, on a le domaine projet produit 1, puis on a l'ID de l'article, d'accord? P égale à 53. La même chose ici, nom de domaine, puis on a l'ID de l'article. Si on veut par exemple choisir. Enfin, afficher sur le permalient de notre article dès que le visiteur passe sur l'article pour le voir. Par exemple, si on veut qu'il voit la date et le titre de l'article sur le permalient, donc on choisit celle-là, d'accord? Parce que là, on a le domaine du site, puis la date de création de l'article, enfin de l'enregistrement de l'article, de la publication plutôt, et là. C'est le nom de l'article. D'accord? Si je choisis date et titre, j'enregistre les modifications. Et on actualise directement. C'est pas la peine de. On actualise la page de notre article. Et voilà. Vous voyez ici que le permalien a changé. Donc là, on a le nom de l'article, le nom de domaine de notre site. Puis là, on a la date de publication, le 4 mars 2022. Et là, on a ce qu'on appelle le slug d'URL. D'accord? Et tout ça, c'est notre permalien. Et ça, c'est le slug d'URL. Changer mon permalien. Et si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un slug d'URL, vous pouvez revenir sur la vidéo passée. Je vous mettrai le lien quelque part sur l'écran, d'accord, pour que vous puissiez voir ce que c'est en fait. D'accord, c'est pas la peine d'en parler parce que ça va me prendre beaucoup plus de temps. Donc voilà, donc on continue sur ça. C'est pas la peine d'aller sur les slugs d'articles, sur les slugs d'URL, slug d'URL. Du coup, là, on a les différentes formes, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voulez avoir que le mois et le titre sans avoir la date, eh ben, vous choisissez celle-là. Si vous voulez du numérique, je pense que c'est pas bon vraiment pour la question du SEO.
titre de la publication, c'est la plus recommandée sur la question SEO, donc Search Engine Optimization. C'est très important, les amis. Donc celle-là, c'est la plus recommandée. Donc avoir votre domaine, puis le slug de votre URL, de votre article, slug d'URL, d'accord? Et tout ça, ça va être votre permalien, d'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si vous voulez, à part ça, si vous voulez une structure personnalisée que vous ne trouvez pas ici, entre ces cinq-là, eh ben vous choisissez la structure personnalisée et c'est là qu'on va voir le rôle des balises en fait. Les balises sont... Il y a des balises, on va dire, qui sont... pré-réglé ici sur WordPress, ce qu'offre WordPress, c'est le year, month, name, day, hour, minute, second, post ID, post name, category and author. Donc il offre que ces balises là, mais si vous avez des compétences très avancées sur WordPress, et ben vous pouvez créer vos propres balises et puis vous n'avez juste à les mettre ici, les ajouter ici et puis vous pourrez avoir une structure de permalien personnalisée. Comme par exemple si on veut utiliser la structure personnalisée, par exemple si je veux avoir l'auteur, bon le domaine, puis l'auteur, puis la catégorie et puis le post name, donc le nom de l'article, enfin le slug d'URL. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer celle-là. On va mettre author, puis on va mettre category, puis le post name. Okay, donc dans l'URL finale, on va avoir le domaine, puis author. Author, c'est celui qui a créé l'article, d'accord, celui qui a publié l'article. Category, c'est la catégorie d'article. Post name, c'est le nom de votre article. Enfin, c'est pas le nom, mais le slug d'URL. Le slug d'URL. Donc, j'enregistre. Vous allez voir que ça va prendre effet. Voilà, c'est bon. J'actualise cet article. On va avoir la modification sur au niveau du permalien. Et ben là, on voit qu'on a le domaine, puis celui qui a publié l'article. Là, c'est la classe, la catégorie plutôt, d'accord. Et là, j'ai pas mis de catégorie, donc il l'a mis dans non classé, d'accord. Et là, on a le slug d'URL qui a changé mon permalien. Changer mon permalien, ici, c'est le post name qu'on a mis ici, d'accord. Ça, c'est changer mon permalien. Ça, c'est non classé. Et ça, c'est, qu'est-ce qu'on a eu ici? C'est Samir Produit. Voilà, Samir Produit. Et ça, c'est le domaine. Ça reste fixe, d'accord. On ne peut pas changer le domaine si bien sûr, on voulait changer, ben, il faut en acheter un autre, etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des structures d'articles. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions autour de cela. Et je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo.